Salut à tous, ici Animux pour une nouvelle petite découverte sur Untraveled Land Chantico. Un petit jeu assez spécial, un jeu de cartes mélangé à un jeu de survie, difficile à détailler. Je vais vous laisser juger en vous montrant le jeu. Comme d'habitude, je le découvre en même temps que vous. Le jeu actuellement n'est que en anglais. On verra bien si plus tard il arrive dans une autre langue. Donc il y a toute une histoire en anglais. Je vais pas tout vous traduire, ça va prendre énormément de temps. Ils sont partis. Un sac à dos. Recherche le sac à dos. Voilà, ça c'est facile, je l'ai trouvé. On a des rations. Rations de survie. J'ai trouvé une vieille machette. Explorer la jungle. Hop. Donc je peux me déplacer, je peux zoomer, donc je peux crafter. Alors je choisis machette, lui. Ah, il faut glisser le plan et puis glisser le professeur. Ok. Donc j'ouvre, je prends machette, je glisse le plan, les éléments et lui. Qui va le fabriquer puisque le temps passe ici. Ici on est jour 1. Je ne pense pas qu'on sait aller plus vite. Voilà. On va équiper la machette. Ouais, ça c'était facile. Explorer la jungle. Bah j'ai une rivière, allez. On va aller de la rivière. Donc là, j'ai du bois. J'ai 5 rations de survie. Voilà, ça m'a pas fait grand chose. Si, ça m'a fait de l'espace pour mettre les cartes. Je trouve. Ouh. Ah, on peut le chasser. Attrapez-le. Bah, hop. Ah, il essaie de me faire des dégâts. Encore de lapin. Peut-on obtenir ce record de lapin? Donc, j'ai des bûches en bois, de la pierre, des os, ah, de la viande. Alors, craft campfire. Et donc, campfire pour 3 pierres et 2 morceaux de bois. Donc là, bah, je suis obligé, j'ai aussi de la viande. Non, il me fait. Il va falloir trouver du bois. Donc ici, j'ai 5 cartes sur 20, et nourriture 5 sur 2. Ah bah voilà du bois. Oula, 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 oula. Donc du coup, ici, je veux un feu de camp. Je dois avoir 3 stones, ah oui. 2 wood. Je suppose que là-dessus, j'ai des piles de 3. Ah et du coup ça me fait plein de cartes et je peux pas dépasser 20. Donc là je vais devoir le faire jusqu'à ce que j'en aille 3. Pour me faire un feu de camp. Et il va me fabriquer mon feu de camp. Voilà. Voilà, feu de camp. Et puis je suppose que je le mets là. Et que je vais me cuire. Ici je vais les mettre ensemble. Oui. Et donc là, bah, je suppose que je peux le manger. Non. Bah oui, je voulais le manger. Oui, non. Ah, j'ai pas eu le choix. Et c'est jour 2. Donc jour 2. Ouh, soil. Non, ça ne fait rien. Pour une graine, du coup, je suppose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça, on l'a fait. On n'a pas d'eau, on n'a pas de briques. Une table. Bon. Bah, pour le moment, on ne s'est pas fait grand-chose, à part découvrir. Comme pit. À quoi il sert, ça? Ah, pour trouver de...
de la clay, donc de l'argile, quoi. Et alors, avec l'argile, qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais faire quelque chose, je ne sais plus quoi. Ah, il me faut un feu de camp ou un four. Des feuilles? Non. Kéline, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai découvert autre chose. Kiln. Ah, ben voilà. Un four pour cuire de la poterie. Par contre, il me faut des briques. Comment est-ce qu'on fait les briques? Je l'ai vu. J'ai été trop vite. Ah, voilà. Mais il me faut une table. D'accord. Donc, il faut que je trouve une table avant toute chose. Ici, il y a de l'eau. Une plage. Donc, j'ai des... Ah oui, de l'eau, de la jungle, des montagnes. Ouh, du volcan, là, en dessous. Ouais, on va aller sur le volcan. Flint. C'est... Je ne sais plus si c'est silex ou autre chose. Ah si, si, voilà, je peux aller plus vite. Bûche, je suppose que je vais tomber sur des feuilles. Bon, je dois faire comme ça, je peux pas choisir ce que je mange en fait. Une cave. Donc une grotte quoi. Ah, un os. Qu'est-ce que je pouvais faire avec un os? Os, plus le four. On va voir des cendres. Donc il manque la fameuse table en fait. C'est ça qui me bloque pour le moment. Ah, ah, workbench, ça doit être ça la table en fait. Et voilà, donc workbench. Et il me faut de la corde. Il m'en faut combien? Deux cordes. Voilà, je dois nourrir. Il a mangé tout ça. Ah, il va retirer au hasard. Super. Ah. Alors, je peux faire une hache en pierre. Bah oui, avec une planche que je ne sais pas faire et un bloc que je ne sais pas faire. Donc le bloc, il me faut la workbench. Et la planche, il me faut la workbench. Et la workbench, il me faut des cordes. Bon, faut que je trouve des cordes quoi. Des ruines. Ouh, Miner Steve. Oula. Ah, donc grâce au seau de lave, je peux détruire ce que je veux. Qui évite en fait d'avoir des problèmes en fin de journée. Ce qui est pas mal. Je vais d'abord faire ceci. Qu'est-ce que j'ai découvert? Une pelle que je ne sais pas fabriquer. Super. Alors, on a beaucoup de choses. Les arbres. On a vu que grâce à ça, je pouvais avoir des feuilles. Voilà. Oh, un village. C'est quoi ça? Des chaussures en cuir. Donc je suppose que je peux les équiper, voilà. J'ai des chaussures en cuir. Ah, la savane ici. Et j'ai du brouillard maintenant. Ok. Ouh, elle a pas. Ah, il faut faire manger, hein. Le stock diminue. Alors, hop, hop.
Ouh. Ok. Est-ce que c'est parce que c'est trop lent que j'évolue pas alors qu'il me donne une piste? Piste de manquer. Ok, ça c'est pas difficile. Eh ben, le singe, il en met du temps à manger. Ah, j'ai un compagnon. Je peux lui faire du travail. Bah tiens, vas-y. Ah oui, je pourrais les faire découvrir les premiers et puis moi je vais là-dessus. Ah, des bananes. Bah, deuxième singe. Sur le feu de camp, on va faire manger, toi. À mon avis, il est moins rapide que moi. Ouh. Une torche. Alors, qu'a-t-on trouvé? Flint Lightware. Un briquet. Ça plus ça. Ah ben, ça je sais faire, par contre, donc. Hop. Je vais mettre là, je vais mettre une pierre, je vais mettre un flint, une pierre, et toi tu vas aller là. Ouh. Bon là je me pose, là il faut que je supprime des cartes, sinon ça va être problématique. Ah, attendez, je peux faire ma workbench. Donc, hop, donc les deux fibres, ah il va me falloir du bois, des graines d'arbres, allez hop, encore une, je mets là, toi tu craftes, et toi t'ouvres les bananes, de la corde, ok. Donc les fibres, de, les plantes fibres, fibres de plantes, c'est dans les bananes. Alors, hop, toi je te mets là-dessus. On a la workbench, parfait. Qu'est-ce que je peux crafter? 5 pierres, 5 comme ça. Pierre. Donc... Et je peux déjà faire ceci, le four. Une pierre. Et lui, est-ce qu'il s'est attrapé le lapin? Ouais, j'aurais cru qu'il soit plus agile que l'humain, mais non. Ouais, tu me fais manger. Voilà. Alors, on a les clés. On a les blocs. Et on va fabriquer notre four. Alors, maintenant qu'on a ceci. Donc, on a les trois établis. Je peux faire une brique avec une planche. Bah, il me faut deux planches. Et les planches à bois sur l'établi. Ouh. Explore la fumée. Ok. Voilà. Alors, je mets ceci avec la planche. Je viens chercher. Hop. Je mets mon bloc, je mets ma planche, ceci, craft et voilà.
Et notre lapin, il désorganise tout en fait. Ah, donc lui, il va aller faire de la banane pour le renourrir. Hop. Et je l'équipe. Sur le manquet, lui il va s'arrêter et il va faire une pierre et puis une planche. Pendant que lui, je veux qu'il aille dans les caves. Hop. Ouh. Une boussole cassée. C'est Norsi Altar. Ah d'accord. Donc là, je dois mettre ceci là-dessus. Et maintenant, regardez. Donc là, la flèche m'indique par là. Vous voyez, si jamais là, elle m'indique tout droit. Donc en fait, j'ai plutôt intérêt à monter par là. Ouh! Un chien sauvage! Attends, toi on va te mettre là, toi on va te mettre là. Ouais, ben j'aimerais bien quand même que tu me fasses mon bois pour avoir ma pelle. Donc ça va, même s'il le tue, c'est pas trop grave. Ouais, il va un peu mourir. Hop. Donc, je vais devoir me faire le chien. Et toi, je vais te faire le corps. Non, pas là. Hop. Voilà. Parfait. Donc ici, je vais découvrir. Je vais me faire la pelle. Donc pelle. Je vais là. Ouais, il faut que je mette les éléments d'abord. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bon. D'accord, pourquoi pas. Bon. Oh. Ah. Tiens, est-ce que je peux faire creuser un singe? Donc lui, attaque dommage, plus 2, moins de cooldown, plus que chance de coup critique, donc on va dire que ça c'est quasi obligatoire. Ça, c'est bien pour couper des arbres. Et alors du coup, je peux pas avoir la pelle et ça. C'est l'un ou l'autre. Ouais, je suppose qu'on a la pioche ou la hache, suivant qu'on est dans la jungle. Voilà, voilà. Des pièces de l'ancien altar qu'il faut réparer. Pause, 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 pause. Altar. Il me faut ça. Ah, donc il me faut 3 pièces, dont le seau de lave. Oui, bah il n'y a plus qu'à les trouver. Et alors ici. Ouais, la boussole ne marche plus en fait. Ah, mais je peux déjà mettre celle-ci, regardez, je l'ai trouvée. Ouh. Voilà, on en a une. Super. Ah, altar base. Lava bucket. Lui, il vient. Il va crafter tout. Le petit singe, on va pas le laisser sans rien faire. Et c'est parti, hein. J'ai pas tout saisi. Ah si, voilà. Et alors là, j'ai un nouvel altar et je suppose que je dois mettre la
boussole dessus, non? Non. Un espace sacré. D'accord. Alors, place n'importe quelle carte sur l'altar. Il a détruit, je crois. Ah, c'est mon nouveau saut de lave. Super. Bon, on va aller plutôt par là. Alors. Ah, c'est mon territoire. D'accord. Alors, comment est-ce que je vois mon territoire? Bon, j'ai une carte de trop. Ça, c'est embêtant parce que j'ai pas grand-chose. Ah, tant pis. Hein. Bonus, des berries. On pourrait essayer... Je vais peut-être découvrir quelque chose d'autre. Tard. Non, j'ai rien découvert d'autre. Donc ça ne m'aide pas. Ah ouais, bah j'ai perdu mes... Allez, je vais dégommer un singe. Parce que j'ai perdu mon régime de banane de toute façon. Donc je me fais à manger. Il arrêtera de foutre le bouxon partout. Un temple. Allez, c'est parti. Un stone pickaxe. Ouais, je suppose que c'est plus intéressant. Lui, quand je vais justement dans la montagne. Ouh. Alors, une lance. Bon, elle fait moins de dégâts, mais plus de chances critiques. Ouais, c'est rigolo, mais ça a peu d'intérêt en fait. Parce que c'est moins bon. Bloc chance 10, bloc amount 0,5. Et celle-là. Bloc chance 5, bloc amount 0,3. Donc ça c'est mieux. Lui qu'il aura fini, est-ce que chez lui maître? C'est la bonne question. Singe avec des mocassins. Non. Bon. Bah ce sera. Qu'est-ce qui mange très bien aussi? Hein? Raoul lézard. Un arbre. Des os. Des hauts maïs à charge. Ah, plus une carte limite, ça c'est bien. Je sais pas ce que ça fait, mais voilà. Ah, j'ai augmenté mon camp. Il y a du brouillard, on voit plus rien. Il y a un jeu qui revient, il faut chaque fois revenir sur certaines positions. Ah, c'est ça en fait, quand je rajoute des pelles, c'est pour ne pas que ça revienne. Ça se trouve, c'est revenu parce que j'avais une... Ouais, regardez, à mon avis, je dois laisser les affaires, sinon elles risquent de disparaître. Ouh. Combine, compas et la map. Ouais, pause d'abord. Et donc, je dois trouver où elle est. Voilà, on peut voir qu'elle se trouve. Ouais, là au-dessus, clairement.
Bah toi tu ne fais rien. Hop. Trésor portail. Astin. La propre. Lui il va aller sur le portail. Ouh. Ah bah en fait c'est la fin de la démo. Voilà. Et donc ici il nous dit qu'on peut l'ajouter le jeu en whitelist. Donc le jeu est très spécial, d'un autre type. C'est très calme, on peut mettre en pause quand on veut. Les mobs, les monstres ne sont pas trop agressifs. C'est assez spécial à jouer, je trouve que c'est un peu lent. C'est un petit peu mon ressenti, mais je pense que certaines personnes peuvent apprécier ce type de jeu. Beaucoup plus calme, qui est un jeu solo. Maintenant qui sera peut-être plus facile pour certains quand il sortira en français, s'il sort en français. Je vous dis à très bientôt pour une autre prochaine vidéo, une autre prochaine démo. Salut !